pose, alors que si le service n'est pas reconnu parce qu'il était tous masqués, alors ce n'était pas normal que je le reconnaisse pas rapidement. Mais c'était le masque. Du coup, ben, moi, je voulais sans masque, le bonheur durait le temps. Et je voudrais introduire ce propos par un rappel qui est pour nous très très important. Et ce rappel porte sur ma place et le rôle de l'élevage dans le système économique et social de notre pays. En effet, l'élevage occupe une place économique majeure de Burkina Faso, car pratiqué par plus de 80% de nos ménages. Les produits de l'élevage, en termes de valeur des exploitations dans le secteur primaire, se positionnent le troisième rang après l'or et le coton. De plus, l'activité d'élevage demeure stratégique dans nos efforts pour atteindre la sécurité alimentaire Esther. Pour la réduction de la pauvreté dans les ménages ruraux. C'est convaincu de cette réalité que notre département ministériel s'est doté d'un document politique et politique nationale de développement durable de l'élevage à l'horizon 2025, où le lait local est en très bonne position. À ce titre, la promotion de filière a été attribuée à un programme stratégique budgétaire de notre département, conduit par la Direction générale des productions d'aliments, afin d'aider les acteurs directs à s'organiser en interprofession, répondant ainsi à l'approche filière adoptée comme stratégie de développement des filières agricoles nationales. Nous sommes donc engagés aux côtés de tous les acteurs pour faire de notre élevage un élevage compétitif et respectueux de l'environnement, autour duquel s'organise une véritable chaîne de valeur portée par des filières professionnelles tournées vers le marché et qui contribue davantage aussi bien à la sécurité alimentaire qu'à l'amélioration du niveau de bien-être